Barbe, Barbe. Oh, c'est vraiment vous. Ah, mon Dieu. C'est pas possible. Dites-moi que c'est un cauchemar. Un cauchemar? Mais de quoi parlez-vous? Ma parole, vous semblez bouleversée. Peut-être votre épouse pourrait-elle vous réconforter en vous serrant dans ses bras, comme vous autres humains semblez l'apprécier. D'ailleurs, où est votre moitié? Ils sont entrés dans l'abri. Tu les as peut-être vus? Ils étaient armés, et ils portaient des tenues étranges. J'ai juste vu le fils de Madame Rosa qui se promenait dans son costume d'Halloween plus d'une semaine avant la date. Sincèrement, cette femme a de ses toupets de laisser son enfant sans surveillance. Ce n'est pas comme votre famille, monsieur. Madame et vous avez toujours été des parents responsables. Où est-elle, d'ailleurs? Elle ne peut pas être morte. C'est pas possible. C'est un mauvais rêve. Un cauchemar. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Je n'y comprends rien. Qui aurait pu vouloir enlever mon fils? Ça n'a aucun sens. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim. Codsworth, tu as un comportement un peu... étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols, mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Reste avec moi, mon vieux. Concentre-toi. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais... ce que vous savez, c'est produit. Une holobande? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je pense qu'il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Mes protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur de l'holobande devrait vous permettre de la lire. Comme le Pip-Boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire affaire. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. Je t'ai trouvé. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. Oh. Ah, ah, ah.
Votre famille n'est pas là non plus. Ils ont vraiment disparu. Cotsworth. Madame et le jeune Sean, ils ne sont pas là. Sean est là, quelque part, Cotsworth. Je dois le retrouver. Et Concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Ces gens-là me plaisent déjà. Oh, parfait! Dans ce cas, peut-être que vous vous entendrez bien avec eux et qu'ils pourront vous aider à retrouver le jeune Sean. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Non, non, non. Ôte tes petits doigts de là. Allez, on va essayer. Dis-le. Oui, juste là. Non, là. Allez, vas-y. Bravo. Salut, Trésor. Écoute, je crois pas qu'on ait besoin de te dire que t'es un super papa, Sean et moi. Mais on va quand même le faire. Tu es gentil et aimant. Et drôle aussi. C'est vrai. T'es tellement patient. Tu as la patience d'un saint, comme disait ma mère. Écoute, avec Sean et nous tous ensemble à la maison, cette année a vraiment été fabuleuse. Mais je sais que le meilleur reste à venir. Évidemment, il y aura des changements, on va devoir s'adapter. Tu trouveras un travail dans le civil. Et moi, je vais recommencer à pratiquer le droit. Mais quelles que soient les difficultés, tout ce qu'on fait, c'est pour notre famille. Maintenant, dis au revoir, Sean. Au revoir. Dis au revoir. Au revoir, mon cœur. On t'aime. Et salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? Tu m'as l'air sympa, toi. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Hé. Comment ça va, mon vieux ?
ici, sur le balcon. J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les fuyards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous.